Je suis en compagnie de Romuald Maurice. Romuald, on va évoquer vos meilleures cartouches pour le meeting estival de Cagnes. Romuald, on ne peut pas passer sous silence Slow du Beauvoisin qui est vraiment le fer de lance de l'écurie. Ouais, heureusement qu'il est là le vieux lui, parce que... Bah ouais, il a, le problème c'est qu'il a une course dans le meeting le 1er juin. Voilà. Et après il devra souvent rendre la distance. Ouais, rendre la distance aux Européens avec les 5 ans, c'est mort. Après peut-être qu'il pourra prendre des belles places quand même. Ouais, j'espère, mais enfin bon, non mais on ira courir ailleurs, c'est pas grave. D'accord. On va parler également de d'Urbeck Dry. Urbeck Dry, c'est peut-être pas le plus facile de l'écurie, mais quand il est bien, en tout cas, il a du train, il peut aller très loin. Ouais, il fait bien à Cagnes parce qu'il a des problèmes de vision, ce cheval-là. Donc quand il est entraîné à Cagnes et qu'il court là-bas, il est à peu près sage. Ouais, il a pas ses gains, ça c'est sûr, hein, parce qu'il a besoin de personne. C'est un cheval qui est 14, 2009, quand il est sage, donc il y a juste la sagesse et tout. Le reste, après... Il aurait le double, il n'y aura rien à dire. D'accord. Donc sur les 2009, il peut peut-être éventuellement gagner une voire deux courses. Il a quelques bons engagements, ouais. Une belle passe en 15, une semaine poteau. Il faut aller devant, rouler à outrance pour s'occuper des autres. Ouais. Bon, plus c'est une tactique aussi, avec les bons chevaux, c'est plus facile à utiliser. Oui, enfin, je préférais qu'il soit un peu moins difficile et un peu plus maniable, mais ce serait plus facile avec lui. 6 stars chez les juments, c'est une jument que vous vous situez comment l'écurie ? 6 stars n'a jamais été bien bonne, elle s'est améliorée avec les courses, et il s'avère qu'au jour d'aujourd'hui elle est pas mauvaise du tout. Un bel engagement, que des femelles pour 63, le 21. Elle a 60 000 euros, elle est limitée depuis longtemps, mais elle fait toutes ses courses quand elle est déférée, parce que si on n'est pas déférée, c'est pour la peine. Donc, à suivre, déféré. Béa Dry, elle a montré du talent en sous la selle à Vincennes. Au sulky, qu'est-ce qu'elle peut espérer cet été à Cagnes ? Bon, elle a pas couru à l'intersaison parce que c'est une jument que je peux pas travailler chez moi parce que faut des grandes pistes. Donc, c'est pas possible de travailler à la maison. On va courir à clé, mais bon, je pense que quand on lui mettra assez sous le dos, ce sera mieux. Mais bon, elle a une classe d'attelage, hein, faut pas... C'est une jument qui a de la qualité, mais... C'est difficile, trop difficile. Et est-ce qu'elle pourrait faire le déplacement éventuellement en région parisienne pour le meeting de Vincennes déjà estival ou... Ah oui, on va y aller. Ouais. Ah oui, on va y aller. Elle a gagné à Vincennes, elle est pas capable de prendre une troisième place chez nous, alors on va retourner à Vincennes. Ah ouais, l'argent est pareil partout. Hein. Et ensuite, on va citer Belcanto Dumont. Ouais, Belcanto, il a fait 2-3 trucs bien, il galope souvent, c'est un cheval monté aussi. J'ai toute une bande de chevaux qui galopent souvent, donc ils n'ont pas leur gain. Donc quand ils galopent pas, ils sont dans le coup. Bon, voilà. S'ils étaient tous sages... Ce serait trop facile. Ce serait trop facile, ouais. Ouais, ouais. Et un petit mot peut-être sur Ténor d'Ardennes qui est en forme actuellement. Ouais, bah lui, c'est pareil qu'Urbeck, hein. C'est des chevaux très compliqués. Et puis voilà, quoi. Faut pas s'occuper des autres, faut rouler. Et puis voilà, il n'y a que comme ça qu'on peut prendre de l'argent. C'est aussi en retard de gain, donc. Ouais, enfin, c'est... Ils sont pas faciles à utiliser, quoi. Donc, ils peuvent très bien courir comme des ânes, et puis 8 jours après, ils courraient très bien. Donc, ils sont incompréhensibles, ces chevaux. D'accord. Bon, bah, merci beaucoup, Romuald, et puis on vous souhaite un bel été à Cagnes.